Oui, bonjour à toutes et à tous, bonsoir d'ailleurs même pour ceux qui sont en live, bienvenue, on va continuer notre petite aventure sur Siberia, parce que ça se passait plutôt bien, qu'on s'éclate bien, que c'est cool, j'aime beaucoup ce jeu et que j'aimerais bien voir si on va pouvoir le terminer. Alors, comme d'hab, malheureusement, je peux pas faire les raccourcis clavier, donc on va mettre voilà, l'écran tout moche et lancer le jeu. Alors, pour éviter le trip de la sauvegarde est plantée, faut tout recharger. J'ai été malin, j'ai pas chargé de partie. Le mec intelligent. Et donc, du coup, on retrouve Kate et on devait prendre le monorail pour aller faire un tour dans une base spatiale ou un cosmodrone. On sait pas trop. Pour choper un véhicule, pour aller chercher une chanteuse probablement morte, pour récupérer les mains de notre automate. On peut pas dire au moins, il se fout pas de la gueule de notre sur le scénario. Hein. Et salut Brodaf, bienvenue sur live, merci de passer, j'espère que ça va. On commence direct par un petit coup de fil. Allô? Kate, c'est toi? Comment vas-tu? Tiens, Olivia, tu tombes bien. Connais-tu une certaine Elena Romansky? Non. C'est une styliste en vogue dans cette rue si lointaine? Non, c'est une célèbre cantatrice. Figure-toi que je vais avoir l'occasion de la rencontrer. Il faut juste que je trouve un moyen de me rendre à Harald. T'imagines ma chance? Non, pas vraiment. Quel rapport y a-t-il entre le dossier de la Toys et cette femme? T'es pas en train de faire n'importe quoi. Je trouve que tu changes terriblement, Kate. Pour faire court, la suite de mon voyage est conditionnée par les retrouvailles entre cette chanteuse et le directeur de la cité industrielle de Komkolsgrad. Ne t'inquiète pas, je sais parfaitement ce que je fais. Pourquoi dis-tu que j'ai changé? Une impression. Je te sens plus sûre de toi, plus forte, plus volontaire. Et ça pose un problème? Tu vois, immédiatement tu montes sur tes grands chevaux. Je commence à être d'accord avec Dan. C'est de plus en plus difficile de prendre systématiquement ta défense. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, j'ai pris un ou deux verres avec Dan. Il a besoin de parler, tu comprends? Il se sent si seul. Putain, mais ça fait trois jours, quoi! Rien. Il a l'impression que tu lui échappes. Il te comprend de moins en moins. Par exemple, la dernière fois, nous sortions du ciné, et il a prétendu que tu aurais adoré ce film, alors que moi, je soutenais tout. Tu es en train de me dire que tu sors avec mon fiancé. Ben nuance, Kate. Je sors pas avec Dan. Je sors Dan. Pour la bonne cause, pendant ton absence. Comme ça, je le surveille pour toi. Tu es trop bonne. Allez, si tu es jalouse, c'est bon signe. Ça prouve que tu tiens à lui. Il va être ravi de le savoir. Vous vous revoyez bientôt? Demain soir. Dan m'a invité au dîner des Goldbergs. T'es pas fâchée, Kate? Non, non. Je dois te laisser maintenant, Olivia. Bise. Et salut Dreamy, bienvenue sur le live. Ouais, ouf, c'est pas Dan. Je sais pas si c'est mieux. Enfin bon, visiblement, le mec, c'était vraiment un gros beauf. Par contre, Olivia, ça a tout à fait l'air d'être le genre de bonne femme à aller avec. Ils iront bien ensemble. Par contre, c'est ballot s'ils étaient quand même carrément fiancés. La petite excuse, c'est pour la bonne cause. Mais non, mais je ne sors pas avec lui, je le sors lui. Voilà. La dernière fois, on était au ciné. Oui, bien sûr. Allez, recentrons-nous. Ah, on a débloqué un calepin de dialogue. Rien de nouveau. Un document. Non. Ok, peut-être un dialogue. Alors, on peut aller plutôt de ce côté ou plutôt de ce côté. Allons de ce côté, il y a droit à une porte. Les bruitages sont quand même vachement sympas, même le bruit du vent est vachement sympa quoi. Ah, c'est quoi, c'est une centrifugeuse pour entraîner les cosmonautes, un truc du style? On va pas rentrer dedans hein. Oh, les bouteilles de vodka partout. Ok, il avait peut-être raison, c'est peut-être un alcoolo le gars. Il me faudrait une clé. On va quand même pas devoir faire de la centrifugeuse, rassurez-moi. Dors dedans. Voyons ça, parce qu'il s'en sert comme maison après tout. Ah oui. Ok, très bien. Salut mec. Monsieur, monsieur, excusez-moi de vous déranger. Ohé, vous m'entendez? Attention, décollage imminent, feu! Oh mon dieu, il y a comme une demoiselle sur le pas de tir. Tout va bien, monsieur, calmez-vous. Je voudrais juste un renseignement. Attention, petite mère. Ici, aucun renseignement stratégique ne te sera donné. Jamais.
C'est le règlement militaire qui prévaut sur cette base. Tu comprends ? Très bien. Alors, j'ai besoin de me rendre à Ralbad de toute urgence. Pas peine de se présenter, hein. Allez-y, soldat. Moi, je reste ici pour surveiller les réserves. Toutes ces bouteilles, vous comprenez. C'est un métier, hein. Bon, on va quand même se présenter. Je m'appelle Kate Walker, avocate à mer... Bref, je suis un peu perdue et je présume que vous devez bien connaître cet endroit. Boris Tcharov, pour vous servir. Et je vous sers un petit verre, madame. Sans façon. Il y a longtemps que vous vivez là ? Vous vivez seul ? Oh, ça fait un bon moment déjà que je traîne mon ennui. Mais il y a mes bouteilles, fidèles et serviables. Vous êtes militaire, n'est-ce pas ? Et un ancien cosmonaute aussi. Tout ça, c'est du passé. Allez, assez parlé, petite mère. Puis nom de Dieu, trinquons. C'est un ordre. Parfait. Elle a l'air j'ai bien entendu frais. Dire que vous pourriez peut-être mettre un véhicule à ma disposition. Un véhicule ? Mais tous les véhicules ont été réquisitionnés depuis longtemps pour protéger nos frontières. Ordre du général, trinquons à la mémoire de ce grand soldat, ma sœur. Sans vouloir vous offenser, je n'ai pas envie de boire. Oh, tu risques de le regretter un jour, ma jolie. Tant pis, à la tienne. Bon, je vous allons en y cache. Ressaisissez-vous. Il faut absolument que je trouve un moyen de quitter ce complexe industriel. Parfaitement, moi aussi. Il faut que je lève le camp de ce trou. Mais pas le gosier sec. Goûte-moi cette vodka. Tu m'en diras des nouvelles. Avez-vous, oui ou non, un véhicule à me prêter ? Je crois que je me sens même prête à voler dans une de vos machines spatiales. Spéciale ? J'adore les occasions spéciales. Et ça se fête. Voyons, voyons. Voyons, où j'ai caché mes bouteilles spéciales, occasion spéciale. Ah, attention ! Décollage imminent ! Feu ! Ça suffit à la fin. Quoi ? Qu'est-ce que j'entends ? Le corps civil féminin se rebelle ? Oh ! Trinquons à la prise des pouvoirs des babouchkas du Nouveau Monde. Bon, ok, donc en fait, il va falloir qu'on démarre la centrifugeuse pour le dessouler. Pour d'une quelconque aide. C'est je suis pas sous. Je suis bu. Puis c'est tout. Alors, là, on a quoi ? Une bouteille. Pour lui casser une bouteille sur la tête. Bizarre. J'étais sûr d'avoir laissé une ou deux bouteilles ici. Oh, faut que je sorte. Oh, oh, les murs tournent. Je suis pas prêt à décoller, moi. Monsieur, ça va ? Vous êtes sûr d'aller bien ? Ah, il va falloir prévoir les sacs à vomi. Puis alors là, si on fait tourner le truc, vu tout ce qu'il y a dedans, le mec, il en ressort pas en vie, je pense. Okay. Faites attention, vous risquez de... Oh. Oh putain. Oh la tôle. Du coup on a trouvé une bouteille de vodka, très bien. Alors on va quand même refaire un petit tour dedans, être sûr qu'il y a d'autres choses ou pas. Et Plop Zikino, bienvenue sur le live. Alors, voyons voir à tout hasard s'il n'y a pas quelques trucs à ramasser ou à regarder qui pourraient nous aider. J'ai vu une loupe. C'est lui le pilote. Bah, j'ai pas l'impression qu'il va piloter grand chose, ouais. Alors. Camarades, à la suite de leur visite pendant l'année écoulée, on a l'année 1979, oh putain. Les camarades inspecteurs de la commission spatiale ont émis un avis défavorable concernant le projet Vorarlberg. Ah. La commission spatiale est convaincue que les travaux de Hans Vorarlberg n'aboutiront à aucun résultat concret susceptible de servir les intérêts de notre pays dans le domaine militaire et dans celui de la conquête spatiale. Que ce projet par bien des aspects est susceptible de nous couvrir de ridicule. Carrément. Au cours de ces dernières années, par une longue succession d'essais infructueux, M. Vorarlberg nous a clairement montré les limites de son savoir-faire dans l'art de la mécanique. En conséquence de quoi, nous avons ordonné de suspendre irrévocablement la poursuite d'un programme jugé aujourd'hui aberrant et de cesser désormais toute collaboration avec le camarade Vorarlberg. Et donc du coup, fermeture du cosmodrome et mise au chômage des pilotes. Ah, on va peut-être pouvoir lui parler de Hans du coup. Il va peut-être savoir... Enfin, je crois qu'on va plus lui parler de grand chose là dit maintenant. Ouais, il m'a l'air complètement défait le gars. Ah, on peut pas y aller là. D'accord.
Alors, est-ce que la clé nous permettrait de, je sais pas, peut-être on pourrait le secouer ou... Je viens de voir un symbole douche là. Il m'a semblé là, c'est un symbole douche ça. Douche ? La douche. Encore un coup par là. Tu peux pas aller par là a priori hein. Zut. Si vous voyez une douche vous quelque part là. J'ai pas l'impression qu'il y a... Peut-être encore plus par là là. On peut pas aller par là, non, on peut pas aller par là. A mon avis, il n'y a pas d'eau. C'est un truc du genre. Ce serait trop facile de toute façon. On trouve la clé, bim, on l'arrose, c'est fini. J'y crois pas trop. On va aller fouiller un peu. Alors, il dort. On peut aller par là. Ah, attendez, il y a un truc là. Ah. Oui, effectivement, il y a l'air d'avoir un tuyau qui descend là. Alors, on a mis de l'eau, on va voir si ça suffit. Ce petit coup d'arrêt à chaque fois qu'il monte un escalier. Alors mec, est-ce qu'on va pouvoir te faire une petite douche? Ouais, dans la perspective, j'étais pas sûr que le tuyau soit au-dessus de lui, mais ça a quand même bien l'air. Bim! Oui, c'est important de se préparer mentalement avant de monter un escalier, ah, tout à fait. Qu'est-ce qui se passe? De l'eau? Arrêtez ça tout de suite, vous voulez me noyer? Scandale! De l'eau! Pauvre fou! Alors... Monsieur... Calmez-vous, tout va bien. C'est juste un réveil un peu difficile. Eh ben, vous avez pris une sacrée cuite. Je m'en doute. C'est pas la première, ni la dernière. Ah, il a l'air mieux. Oh, ma pauvre tête. Parlez-moi fort, s'il vous plaît. Excusez-moi, mais vu votre état, je n'ai trouvé que ce moyen pour vous faire retrouver vos esprits. C'est radical, en effet. Vous m'avez l'air d'une personne très... très efficace. Ça, c'est une bonne description. Allez, on repart de zéro. Je m'appelle Kate Walker. Je suis avocate. Et actuellement, j'ai en charge un dossier un peu spécial. Bon, je vous épargne les détails, mais je me retrouve ici par inadvertance et un peu contre mon gré. Eh bien, je suis tout de même honoré de vous accueillir dans mon domaine. Colonel Boris Tcharov, pilote d'essai de l'armée rouge, rebut. Et actuellement l'unique responsable du gardiennage du complexe spatial de Komkolskrad. C'est un endroit très étonnant. Dommage qu'il soit à l'abandon. Ah, que voulez-vous? La course à l'espace. Et plus trop à l'ordre du jour pour le moment, c'est comme ça. Ainsi va l'histoire. Alors, parlons-nous de... Je suis à la recherche d'un homme, Hans Vorarlberg. Et je pense qu'il est passé par ici, voici une vingtaine d'années. Hans? Vous me demandez si je connais Hans? Mais sachez, madame, que le plus fabuleux des engins volants de ce cosmodrome a été construit par lui. Ha! Sacré Hans. Et même après le tour de cochon qu'il m'a joué, ça me ferait plaisir de le revoir. C'est-à-dire? Que vous a-t-il fait? Hans et sa fameuse aile volante. Il avait inventé un lanceur à ressort, capable de projeter dans la stratosphère une sorte de curieuse fusée, une aile volante. Un truc révolutionnaire. Je devais en être le pilote d'essai. Mais à quelques jours du lancement, Hans est parti, comme ça. Envolé. Le programme d'essai a été annulé. Parti sans explication? Sans dire où il allait? Il rêvait d'atteindre les étoiles, pas d'envoyer des bombes. Un jour, Hans a compris à quelle fin allait servir son lanceur. Ici, c'est toujours les généraux qui ont fait la loi, vous savez.
Il a été très déçu quand on lui a demandé d'étudier la possibilité de fixer une tête nucléaire sur son aile volante. Tu m'étonnes. Partout. Comme ça. Si tout était au point, pourquoi n'avez-vous pas tenté de faire fonctionner cet engin et de vous envoler malgré tout? Ici, personne n'a jamais rien compris aux machines de Hans. Ce sont des utopies, vous comprenez? Les utopies, ça fonctionne qu'en symbiose avec leur créateur. Sans lui, le voyage dans l'espace est devenu impossible. Alors depuis, je voyage à ma façon. Je commence à maîtriser un peu le fonctionnement des inventions de Hans Vorarlberg. Comment celle-ci se présente-t-elle? Je ne saurais vous dire exactement. Mais bon life, Broudaf. Profite bien. Merci d'être passé. Alors, du coup, l'aile volante, à la limite, on va probablement pas utiliser ça. La décision de fermer le cosmodrome a été prise. Les équipements les plus utiles ont tous été emportés. Ce n'est pas grave. C'est pas un cheval, une chèvre, un âne, un truc. Si je peux vous être utile, n'hésitez pas. Je suis venu jusqu'ici en train, mais malheureusement, celui-ci est tombé en panne. Or, il faut absolument que je me rende de toute urgence à Haralbad. On m'a dit que peut-être vous auriez un véhicule à me prêter. On ? Qui on ? J'espère que vous ne parlez pas de Sergueï Brovski. C'est pourtant lui. Ah, le directeur pas de la cité industrielle, là, en bas. Méfiez-vous de lui, madame. C'est un homme à l'esprit dérangé. Et ce genre de gars peut devenir très dangereux. C'est quand même lui qui m'a conseillé de venir vous voir. Lui non plus, il ne vous porte pas dans son cœur. Donc cela m'est égal de savoir ce qu'il pense de moi. Faites attention à lui, c'est mon seul conseil. Je suis assez d'accord. Est-ce que la ville d'Haralbad vous dit quelque chose? Haralbad. Il y a longtemps que je n'avais entendu ce nom. Pendant des années, cette station thermale a accueilli tout le gratin du régime. Des militaires en convalescence, des politiciens fatigués, et puis les profiteurs de toute espèce. Durant quelques jours, ces gars-là s'offraient du bon temps, offraient de la princesse. Moi, je n'ai jamais eu ce privilège. Pourtant, j'ai été à deux doigts de devenir un héros de la nation. Cet endroit se situe où, exactement? Plus loin, à l'est. Faut dire que nous n'avions pas besoin de savoir où exactement. Le gros dirigeable était programmé pour y emmener les clients. Depuis ici. Un gros dirigeable. Un gros dirigeable, dis-tu? N'est-il pas curieux de voir autant d'oiseaux sur ce cosmodrome? Ils sont attirés par toutes les structures métalliques. Et puis maintenant, c'est paisible pour eux. Alors ils sont de plus en plus nombreux. Parfois, je lâche Soyouz. Ça me rappelle le bon vieux temps. Soyouz? Le dernier règne royal en service. C'est l'unique solution pour faire des guerres pires ces maudits volatiles avant les décollages. Lâcher les aigles dans le tas, pour leur faire peur. Vous devriez voir ça. Ce vieux Soyouz provoque encore une sacrée pagaille. C'est magnifique à regarder. Merci beaucoup pour votre aide. Ça m'a fait plaisir de discuter avec vous. Je crois que je vais me reposer un peu maintenant. Donc il y aurait potentiellement un dirigeable. Alors est-ce que si je lui reparle de la mission après qu'il m'ait reparlé du dirigeable, il me dirait pas « Ah mais ouais, mais si vous voulez un véhicule pour aller là-bas... » Monsieur. Oh ma tête. Je suis venu jusqu'ici en... Bon. C'est comme... Coup de main. Il n'y a pas beaucoup de véhicules. On a dit... Ce n'est pas... Bon. Je vais... Il va falloir qu'on creuse. Ok, ça c'est l'aile volante, j'imagine. Effectivement, ça envoie du rêve. Non, ah non, merde, c'est pour faire demi-tour ça. Ok. Pas de soucis. On va essayer d'aller par là, de toute façon, fouiller un peu. Il y a une pince qui m'a l'air bien prometteuse ici. Et des parapluies aussi. Tac tac tac. Ouais, c'est en travaux. Ok, une clé, une bonne vieille clé. On va en mettre directement là. Comment ça la connaître cette clé? Seringue. Ok, on a mis le jus. Procédure interdite. Centrifugeuse vide. Analyse sanguine requise.
analyse sanguine requise. D'accord, très très bien. Effectivement, il a l'air d'avoir fait un truc un peu complexe pour une fois. Alors s'il faut une analyse sanguine clean du pilote, on n'est pas dans la merde. Il va falloir quelques semaines pour qu'il élimine tout l'alcool. Hein. Et par ici, qu'est-ce qu'il y a de beau? Des missiles nucléaires tactiques. Ah. On a débloqué un truc dirigeable. On va voir ça de plus près. Ah, on dirait qu'il y a un petit automate. Est-ce qu'elle va encore avoir peur des oiseaux? Ah non, mais on fait une clé. Les ciseaux. On a toujours une bouteille de vodka pour négocier avec le gars au pire. Hein. Bon, on va lui parler du dirigeable, à mon avis c'est le bon plan. Nous on veut pas vraiment un véhicule, on veut aller à Arabald. Alors s'il y a un dirigeable qui est conçu pour emmener automatiquement les gens là-bas, ça nous vient tout à fait. Monsieur, monsieur, croyez-vous que le dirigeable est toujours en état de marche? Aucune idée. Il y a tellement longtemps qu'il n'a pas servi. Encore faudrait-il que je sache le faire fonctionner. Oh, pour ça, aucun souci. Il est équipé d'un pilotage automatique. Allez le visiter si vous voulez. Tenez, voici la clé. Merci. Tu es bien urbain. Je vais vous laisser. Ne vous... Allons-y. J'aime beaucoup cette idée d'un dirigeable. Ça fait très sibérien. Alors. On a une manivelle ici. Enfin, un levier. Ça ne semble pas fonctionner. Mmh. Ouais, j'imagine qu'il va falloir tout un tas de trucs pour qu'il démarre. Faut pas regarder toutes les commandes et tout. Ok, bon. Effectivement, ça a pas l'air de démarrer si facilement. Puis avec tous les oiseaux qu'il y a autour, on va devoir faire sortir l'aigle. C'est cool, on va voir un aigle. Merde, il est retourné picoler. On n'a pas débloqué de discussion en rapport avec l'analyse sanguine là. Il est où? Merde. Il a été kidnappé. Catastrophe. Ah mais non mais Dreamy, il faut y croire, faut laisser entretenir le rêve. C'est clair que c'est un petit peu rouillé mais ça grince un peu, c'est tout. Aucun risque, si t'es à jour de tes vaccins. Alors bah du coup on va aller par là vu qu'on n'avait pas été par là. Allons voir un petit peu ce qui se passe. Alors il y a un oiseau... Des lumières, ok, on peut aller par ici, non, on peut aller vers le fond, allons vers le fond. C'est peut-être lui l'oiseau. Ça ne semble pas fonctionner. Attends, mais y a rien qui marche dans ce bled. Bon, où est-ce qu'il est parti l'autre? Du coup, il est parti rêver sur le pas de tir. Il peut pas aller nulle part, enfin, je peux redescendre, mais ça me paraît pas très très pertinent. Ah, il veut pas courir là. Colonel ? Colonel ?
Ah, bah, qu'est-ce qu'il fait? Ah, vous êtes là. Je vous cherchais. J'ai réussi à enclencher le pilotage automatique, mais le dirigeable refuse toujours de décoller. Savez-vous pourquoi? Peut-être. J'ai bien ma petite idée. Mais vous m'avez l'air plutôt doué pour la mécanique, non? Oh, disons que depuis le début de mon voyage, j'ai appris à me débrouiller. Plus spécialement avec les surprenants mécanismes de Hans Vorarlberg. J'ai un marché à vous proposer. Voilà des années que je vis à côté de ce foutu lanceur à ressort et... Et que ça me trotte dans la tête de me payer quand même un vol sur cette fameuse aile volante avant d'être complètement cuit par la vodka. Mais question mode d'emploi, je suis pas bien malin. Vous, par contre, vous m'avez l'air drôlement futé. Vous pourriez me donner un coup de main pour m'envoyer dans les étoiles. Et je vous révélerai le secret du dirigeable. D'accord? Pourquoi pas? Je vais voir ce que je peux faire pour vous. Ok, alors du coup, on va retourner là-bas, déclencher un petit peu deux, trois trucs. D'autres, hein, y a pas d'autres consoles, donc on a mis ça en route. On peut démarrer. Ça, ça change pas. Ah, oh, ça, on peut faire quelque chose maintenant. Ah, il est peut-être rentré dedans, c'est peut-être pour ça que ça a fait quelque chose. Alors, l'analyse sanguine. Verser de la vodka quelque part. Où est-ce qu'on la fout l'analyse sanguine? Je crois qu'il y a mon chat qui veut un gros câlin. Machin, file-moi un ou deux litrons de ton sang tout à fait pur. Ouais, je pense qu'il va dedans en fait. Oh, ça bouge ici. Alors, qu'est-ce que vous fabriquez? Vous en mettez un temps. Eh, bien oh. Que je fais de mon mieux. Va se détendre un peu. Excusez-moi la patience. Il faut comprendre, j'ai tellement rêvé de ce moment. Alors, croyez... D'accord, donc pas mieux. Ah, il a même le petit geste... Mais elle s'en va. L'analyse sanguine, est-ce qu'on peut pas retrouver peut-être un truc Pourquoi tout le monde sans exception est insupportable dans ce jeu? Ah bah écoute, je crains qu'il y a quand même un petit effet simplification des dialogues et des données du jeu qui fait que faut aller à l'essentiel et qu'il n'y a rien de tel d'aller à l'essentiel que quelques dialogues bien sentis. Puis alors c'est vrai que c'est très Sokal, hein. Sokal, ces personnages ils sont tous insupportables. Hein. Je me souviens très bien que Canardo, qui est le héros de CBD, putain, c'est une catastrophe. Alors, est-ce qu'on pourrait pas trouver un verre, un truc, un endroit où il serait coupé, je ne sais quoi. On va vérifier ici. Rien de flagrant. Hein. On peut essayer de lui donner la bouteille de vodka pour voir. Canardo, c'était particulier, hein. C'est de la BD noire, noire quoi, noire avec un grand N. Mais c'est vrai que je l'ai connu comme ça, Sokal, personnellement. Alors, si on essaie de lui filer la bouteille de vodka, non, ils sont fous, ça nous fait lui filer ça, ils sont fous, le tournevis. On peut peut-être faire des trucs en forçant la machine avec nos outils, on va essayer. On peut peut-être donner notre propre sang. Mais dans ce cas-là, comment on ferait?
On se coupe avec le tournevis. Ah, il y a peut-être d'autres trucs à côté, c'est peut-être non. Ah, là il y a un truc là. Ah, j'avais pas vu. Il semble manquer un élément pour que ça fonctionne. Ok, alors là, si on fout la vodka. Non. Par contre, on a un analyseur sanguin. Ah bah voilà. Parfait, j'avais juste raté ce bouton, excusez-moi. C'est pour moi. On va aller lui faire une petite picouse là. Monsieur Boris, j'aurais besoin de quelques gouttes de votre sang. Pardon ? Pour enclencher le processus de la centrifugeuse, la machine exige l'analyse du sang du pilote. On ne peut pas envoyer un homme en mauvaise santé dans les étoiles, vous comprenez ? Je vais vous faire une petite prise de sang. C'est clair que le mec. Une santé de fer. Il pète la forme. Personne là n'est jamais avare de son sang. Alors allez-y. Oh la vache. Merci, colonel. Pas de quoi. Parfait, on va pouvoir avancer. Grâce au courage de notre brave soldat. Enfin après le problème c'est que si on l'envoie dans les étoiles et qu'il revient pas, comment il fait pour nous la donner l'astuce hein? On a l'air malin. Taux d'alcool trop élevé. C'est un problème. Eh ben on va prendre voilà, on va mettre notre propre sang dedans, voilà, allez hop, bisous. Ça passe. Quoi, c'est pas bien? Ah j'ai pas chargé le truc, pardon, excusez-moi. J'avais oublié que je l'avais fait descendre. C'est bon, je crois que j'ai compris comment ça marche. Installez-vous bien, ça va démarrer. Comment vous sentez-vous? Tellement gratuit. Parfaitement bien. La tête qui tourne. Mais ça me connaît. Je suis un pilote professionnel, moi. C'est totalement gratuit ce truc. Ah ouais, ça manque d'un petit retour vidéo sur l'écran à gauche là. Bon, est-ce qu'il va réussir à aller jusqu'à l'aile sans s'évanouir, c'est la question. Deux sur cinq. Enfin, pas très bien. Parlez fort. Je suis prêt. Appuyez sur la commande de décollage. Bah, t'es pas dedans, là. T'es pas dedans, mec, là. Procédure de décollage enclenchée. Compte à rebours commencé. Monsieur, vous oubliez le secret du dirigeable. Dites-moi ce que je dois faire. Vite! Vous avez balancé la manivelle qu'il avait sur lui. Très bien. 10, 9, 8, ah bah voilà, on l'a notre 7, retour vidéo. 6, 5, ah non. 4, 3, 2, c'est un petit peu 5, rouillé brûlant quand même. 0, hein. Décollage. Et salut Soren, bienvenue sur le live. T'arrives juste au moment du décollage. Notre aile volante. C'est tout? Ah, déception. Attendez un petit hurlement, un truc. Bon. Et Soran qui arrive et qui trinque, et eh ben écoute, je trinque. Je vais trinquer mon chai sur mes genoux là. Voilà. Une petite gratouille sur la tête, il est content. Alors, il nous a balancé un truc tout à l'heure. Ça atterrit où? Une manivelle. Quand
t'arrives à esquiver les pubs, tu tringues. Ouais, je suis désolé, je peux pas ne pas en mettre malheureusement. Et salut Marc Mail, bienvenue sur le live. Ouais, bah surtout vu sa santé, ouais, le vomi à mon avis n'a jamais été très loin. Mais bon, vu qu'on l'avait dessoulé avec une grosse douche bien froide, c'est passé. Alors, je suis sûr qu'on va pouvoir foutre la petite manivelle ici, faire un gros bruit qui va faire partir les oiseaux. Classe, il est dressé pour aller chasser les oiseaux quand on fait la petite sonnette. Des coucous d'Amerzon. Je les ai reconnus. Ils sont partout. Et salut Falseg, bienvenue sur le live. J'ai commencé à quelle heure? Bonne question. J'ai mis un petit message sur le Discord tout à l'heure, tatata, 20h38 a priori, par là. C'était un peu inopiné, je l'avoue. ...38 minutes d'uptime, ouais, ça doit être ça, le temps que je poste le message et puis que je lance le live, je mette à jour les messages et tout. T'arrives juste au bon moment, on est en train de se préparer à prendre notre petit dirigeable. On a envoyé dans l'espace, enfin, j'espère pour lui. Ou j'espère pas pour lui, je sais pas. En tout cas, on a expédié un mec fort sympathique, bien qu'un peu saoul. Allez, c'est parti, on actionne la manivelle. Go. Il n'y a pas besoin de remonter ses ressorts. Il était quand même doué, Hans, hein, pas dire. Hein. Le truc avec une courroie et tout, quoi. Ça, c'est pas la classe. Un petit peu couvert de guano. Un environnement de FF8, c'est à peu près la même époque, hein, c'est 2002, sauf que c'est PC. Ah bah écoute Falseg, je suis très content si tu connaissais pas le jeu. Ça me fait plaisir. Bah écoute, rattrape rapidement. Là, on n'a pas beaucoup avancé par rapport à hier. Hein. On a discuté avec le gars et il nous a appris qu'il y avait un dirigeable. Et en échange, il voulait qu'on l'envoie dans l'espace avec l'aile volante inutile qu'il gardait depuis genre 40 ans. Donc on a trouvé vite fait comment ça marchait et on l'a éjecté. Et là on arrive donc dans la fameuse cité thermale. Est-ce que la vieille cantatrice est toujours en vie? Et si elle est toujours en vie, est-ce qu'elle est toujours là? Ça fait deux questions malheureusement. Ah, le coup de fil fatal. Allô? À quoi vous jouez, Kate? Avez-vous oublié que j'attends avec impatience de vos nouvelles? Mais dès que j'appelle, il n'y a personne. Pas du tout, monsieur Marson. Seulement, je n'avais pas grand-chose de neuf à vous dire. Kate, je crois que vous ne réalisez pas l'urgence de la situation. Universal Toys n'arrête pas de me relancer. Je ne sais plus comment les faire patienter. Vous mettez tout le cabinet dans l'embarras. Oh, je suis sincèrement désolée. Mais une brusque petite mésaventure m'a obligée à modifier un peu ma mission. Mais dis pas ça à ton patron. Mademoiselle Walker, vous vous égarez dangereusement. Je ne devrais pas avoir à vous rappeler que cette affaire est une priorité absolue. J'en ai bien conscience, monsieur Marson. Et croyez bien que je fais tout mon possible. Mais cette mission n'est vraiment pas simple, ni de tout repos. Vous vous reposerez quand vous serez rentré. À notre prochain coup de fil. Je veux du concret, du tangible. Je veux du résultat. J'espère m'être bien fait comprendre. Oui, monsieur Marson. Alors, globalement, je t'ai résumé hein, ce que t'as raté, Falseg, depuis le début du live. Bah, tu pourras regarder pour les détails, les décors, les petits dialogues et tout, hein, mais
ça reste intéressant, mais c'est vrai que bon, je pense que d'un terme visuel, c'était pas le plus intéressant. Là, la cité thermale devrait avoir un peu plus de gueule, je pense. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bienvenue à l'hôtel Kronski. Je présume que vous n'avez pas réservé. Qu'à cela ne tienne. Il nous reste quelques chambres avec vue sur la mer. Je ne saurais trop vous les conseiller. En fait, je n'ai pas besoin de chambre. Je ne compte pas séjourner à Haralbad. Bah bon ? Que puis-je pour vous, alors ? Ouais, il y a du foot à la TV et du réseau mobile. T'as vu, hein ? Kate Walker. Je déconne pas, hein. Et je suis avocate, mandatée par un grand cabinet américain pour régler une affaire de succession délicate. Dreamy qui adore le foot. Madame Walker. Félix Metana, à votre service. Je suis le réceptionniste de cet établissement. Mais de vous à moi, j'assume aussi à l'occasion le rôle de directeur. Ah, cet endroit n'est plus ce que c'était. C'est vrai que cet hôtel est magnifique. Il se dégage de ce lieu une sorte de faste sereine. Et vous devriez voir nos somptueuses suites. Sachez, madame, que pendant plus d'un siècle, elles ont été le refuge privilégié des grands de ce monde. Désirez-vous en prendre une ? Non, vraiment, je ne reste pas, je dois repartir vite. On m'attend ailleurs. Bon. Eh bien, dans ce cas, je ne vois pas ce que je peux faire pour vous. Mais si, on cherche... Alors, déjà, est-ce qu'il connaît Hans ? Si un dénommé Hans Vorarlberg... A priori, il n'y a aucune raison, mais... En séjour thermal ? Oui, c'est ça. Je suis désolé, mais le registre de l'hôtel est strictement confidentiel. Allez, ah. S'il vous plaît. Je ne vous demande pas de me révéler un grand secret. Et ça me rapporte quoi, à moi, de vous laisser consulter notre registre ? Mes remerciements ? Je te fais un c'est bisou. Bien ce que je pensais. Au revoir, madame. Je règle ta télé si tu veux. Monsieur, j'ai vraiment besoin de votre aide. Je suis désolé, madame, mais mon assistance est strictement réservée aux clients de l'hôtel. Je vous assure qu'en me venant en aide, vous rendrez service à une de vos clientes. Madame, vous me faites perdre mon temps. Mais t'as rien d'autre à foutre, mec. Je souhaiterais rencontrer une personne qui réside dans votre hôtel. C'est fâcheux. Aucun de nos clients ne m'a informé qu'il attendait quelqu'un. Et à ce sujet, nous avons des consignes, voyez-vous. Je suis désolé, mais par les temps qui courent, l'hôtel n'apprécie guère les visites impromptues. Écoutez, il faut absolument que je lui parle, c'est très important. Si c'était important, madame, il fallait prévenir l'hôtel. On vient dans cet établissement pour se reposer, voyez-vous. Et aussi pour se retirer d'un monde qui, de nos jours, ne tourne plus rond, il faut bien l'avouer. Je ne vous retiens pas, madame. Je vous assure que si j'avais pu prévoir, je vous aurais averti de ma visite. Je vous en prie. Sors et on l'appelle. Madame, notre établissement ne vous souhaite pas la bienvenue. Et bim. Bon bah... Bon. Je vous remercie quand même. À votre service, madame. On peut prendre une suite, comme ça on deviendra client et on se barre sans payer. On peut faire ça. Alors, est-ce qu'on peut se balader dans l'hôtel comme un gros sac, du coup ? La lessive... Vas-y, fonce ! L'autre est en train de taper sur sa télé. Ah, je sais ce qu'on va faire. Cette porte est verrouillée. On va foutre la lessive dans la fontaine. Et on va lui dire, oh là là mon dieu, il se passe un truc. Ça c'est une bonne idée. Bravo Kate. T'es un génie. Enfin une génie. On peut peut-être aller là-bas dehors. Bon, bah, peut-être une autre fois. Oh mais oui. C'est parfait. Et si on va là-bas, il se passe quoi ? D'accord, il y a quand même un quai de gare intéressant. Si on voit un truc pour recharger le train, je pète un plomb. Oh, il y a un truc pour recharger le train. Sérieux ? Sans déconner. J'ai pas besoin de faire ça. On va s'arrêter là, notre prochain arrêt, quoi. C'est abusé. Donc ça se trouve, il est vraiment passé par là, Hans, quoi.
vite, monsieur, c'est catastrophique, la fontaine, il se passe quelque chose. Monsieur ? On va sonner, hein. Vas-y, fonce ! Ah, déranger un homme pendant son match de foot. Quelle terrible histoire. Excusez-moi de vous déranger à nouveau, mais il faut absolument que je rencontre Madame Romansky. Inutile d'insister, tous les accès de notre établissement sont verrouillés. Pourquoi me dites-vous ça ? Pour rien, comme ça, au cas où l'envie de fureter vous prendrait. Les temps changent, madame. Voyez-vous, nous avons été dans l'obligation d'installer ce système de sécurité afin de contenir les personnes inopportunes, comme nous maintenons au dehors le sable et le sel. Eh bien, encore merci pour votre chaleureux accueil. Ta fontaine. Je souhaiterais rencontrer... C'est fâcheux. Écoutez, si c'était... Je vous assure... Madame... C'est vraiment dommage qu'il n'y ait plus de clients qui viennent à votre hôtel. Notre heure de gloire est passée, voilà tout. Et ça ne vous attriste pas ? Pourquoi serais-je triste ? J'ai eu l'occasion de croiser ici les plus grands de ce monde. C'est des souvenirs, tout de même. C'est des personnages, hein. On veut foutre des baffes à tout le monde dans ce... dans ce truc. Monsieur... Je suis... Je vous assure... Madame... Zut, comment je fais pour lui dire c'est la merde, la fontaine, là ? Pourriez-vous me dire... On sait... Oui, je... Hans, rien de nouveau... Le seul truc qu'on n'a pas demandé, c'est le d'habitude, train, d'habitude, je voyage à bord d'une extraordinaire locomotive mécanique. Il me semble avoir vu une gare ici. On peut donc venir en train ? Bien sûr, que croyez-vous ? Mais si je ne m'abuse, c'est bien à vous cet immense ballon qui est en train d'abîmer le jardin de l'hôtel ? Oh, le dirigeable ! Oui, enfin, non, c'est un peu spécial. Je l'ai juste emprunté pour faire l'aller-retour entre Haralbad et... Qu'importe. Il faudrait que vous songiez à l'ôter rapidement. Cet engin au milieu du jardin risque indiscutablement de contrarier notre clientèle. Qu'importe. Bon. À votre... Zut. Ça n'a pas marché, ma méthode. J'imagine que si je lui reparle, c'est pareil. Excusez-moi de vous déranger à... Inutile. Pourquoi ? Pour rien. Eh bien... J'ai demandé la mission... C'est fâcheux. Je vous... Madame... Ouais, non, j'ai tout demandé. Donc, bon. Ça n'a pas marché, zut. Mon plan était parfait pourtant. Peut-être qu'on peut mettre plus de lessive. Et aussi des tournevis. On pourrait, par exemple, lui planter un tournevis dans le dos pendant qu'il regarde son film. Et après, on pique la clé. Est-ce que ça marche ? Non. Bizarrement. C'est pas trop le style. Attendez, il y a un truc là. J'ai vu qu'il y avait quelque chose. Ah, il faut ouvrir les rideaux pour qu'il voit la fontaine dehors, peut-être. Voilà une bonne idée. Voilà, et là du coup, on le fait se tourner et il fait « Oh mon dieu ! La fontaine !» J'avoue que... un peu relou à sonner alors que le mec il est pépère en train de regarder son match. Monsieur ? Encore vous ? Vous commencez vraiment à dépasser les bornes. Je vous préviens que si... Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Oh là là, il faut toujours que les problèmes me tombent dessus quand je suis très occupé. Ouais, je crois qu'il a pas de sécurité en fait, le gars Trimi. Il est même obligé de passer la serpillière lui-même, j'ai l'impression que... Ok, ça c'est fait. Alors... Ta-ta-ta... Hans, pas de Hans.
Alors, du coup, comment elle s'appelle l'autre? Elena Romansky, arrivée le 10 janvier 81, jamais repartie. Code client, elle a une carte d'accès, très bien. Je vois pas de Hans par contre. Ah si, Hans Vorarlberg. 2 mars 80, le 28 mars 85, 14-78. On essaiera de se souvenir de ça. Hop. Ouais, c'est pareil, hein, Dreamy. Je pense qu'il faut pas s'attendre à des comportements non plus très avancés, hein, vu l'âge du jeu. En plus, à l'époque, c'était sur des petits CD-ROM à la con. Même pas des DVD. Oh bah c'est sympa comme coin. Bonjour. Bonjour mademoiselle. Vous êtes le barman de l'hôtel ? Mon nom est James, mademoiselle. L'automate infirmier James. Je ne suis pas barman. Oh la vache, ce bar. Je suis désolé, je ne voulais pas vous vexer. Si cela ne vous dérange pas, je vous demanderai d'être à l'avenir plus rigoureuse quant aux termes que vous employez. Bon. Je recherche Madame Romansky. On va aller au direct. Vous savez hein. Où elle est? 15h30, 16h30, Madame Romansky fait sa promenade quotidienne sur la jetée. Le thé est servi ici à 17h précise. C'est possible d'aller la voir? À votre guise. Mais méfiez-vous du vent de sel. J'y vais, James. À plus tard, peut-être. Ce bar à cocktail à piano, là, il a l'air génial. On va aller regarder ça. Je n'ai pas besoin d'utiliser cette console pour l'instant. Ah, dommage. Faudra qu'on lui prépare un thé, peut-être, au shaker. Alors, continuons notre petite balade. Ah bah voilà. C'était 14-78. Il ne semble pas fonctionner. Ah merde, raté. Fermé, j'imagine. La porte est verrouillée. 14-76. Ah. Bien vu, Zikino. 14-76. Il ne semble pas fonctionner. Merde, ça se trouve, il désactive le code quand les gens s'en vont. Faudrait trouver le code de quelqu'un qui est toujours là. Bon, on va faire le petit tour avant. C'est jamais. Le bain, on peut pas rentrer dedans. On peut se barrer dans les chambres. On va peut-être trouver une carte d'accès, un truc du genre. Un verre. Ouais, bah en général, genre, ce genre de jeu, je joue toujours avec un carnet, mais c'est vrai que là, j'y vais un petit peu à la fraîche. On avance quand même assez bien. Je me souviens que je galérais bien plus quand j'étais jeune. J'ai un peu d'expérience depuis aussi, sur les mécaniques de ce genre de jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? C'est peut-être pas du tout par là. Hein. La porte est verrouillée. Ah, zut. Il y a des gens qui jouent aux échecs ici, en prenant leur bain. Un peu de vodka dans le dans la baignoire. Oula, ça chauffe. Chauffer, on va voir est-ce que je peux prendre de l'eau quand c'est chaud. Exactement, Zikino, on va repartir avec une à la place de notre bouteille de vodka, on aura du concentré d'Elena Romansky et on pourra vendre ça très cher. Gauche. C'est un peu grand. Alors, du coup la sortie c'est par là-bas. Alors, peut-être qu'on trouve le code de quelqu'un qui serait genre par parti. L'autre il va être revenu et on va être baisé. Non, c'est bon. Toujours dehors avec sa serpillière, le pauvre bichon.
peut-être une carte d'accès à prendre aussi. Hein. Ah là, il y a un truc à faire là. Alors, Elena Romanski est jamais partie. Ah mais d'accord, il y a deux Elena Romanski en fait. 1270 ici éventuellement, peut-être un autre. Là c'est carte d'accès. C'était bien 1478. Donc on peut essayer 1270 éventuellement. Est-ce qu'il y a un truc extérieur? Non. Bon bah 1270, visiblement ils lui ont fait une carte et en plus un code. Alors peut-être que ce sera valable ça toujours. Et là je sais pas ce qu'on peut faire avec ça du coup. Merci Zikino, tu es bien urbain. Je peux pas réduire l'écran pour aller voir dans le chat, malheureusement, pour aller écrire dans le chat. Je peux pas regarder de ce côté-là pour voir c'est quoi le truc. Non, elle fait demi-tour. C'est peut-être ça, ouais, une carte pour les bains, t'as raison. Voyons voir. 1270. Alors, on est reparti. Hop là. Eh mince, ça ne marche pas. C'est bien ce que je pensais. Quoi? Qu'est-ce que tu pensais? Je ne sais rien moi. Ça ne marche pas. C'est bien ce que je pensais. À quoi on pensait? Il faut une coupe de cristal. Il faut le découper au ciseau à métaux. C'est bien ce que je pensais, mais. Mais oh, dis donc ma petite, tu vas te détendre maintenant, tu vas m'ouvrir cette porte. La porte est... Bon, retournons voir notre ami l'automate là. Allez, c'est un peu trop intelligent ce système là. Bonjour. Bonjour mademoiselle. Pouvez-vous m'accompagner auprès de ma... Non, à cette heure madame est encore en train de regarder la mer au bout de la jetée. Et alors? Madame sait parfaitement que, en cette saison, j'évite de m'aventurer sur la jetée. Mon organisme a de plus en plus de mal à résister à l'action corrosive des bourrasques de sable et de sel. Écoutez ce vent. Il balaie sans cesse la plage et la mer. Ici, on l'appelle le vent de sel. Il va tous nous rendre fous. Allez, allez, faites un petit effort. Non, je dois rester ici à la disposition de madame au cas où elle aurait besoin de moi. Et avec madame, il n'est pas simple de prévoir. Elle est tellement changeante. On peut lui faire croire peut-être que... Avez-vous déjà entendu parler d'un monsieur Vorarlberg? Ce nom ne m'est pas étranger. Vraiment? Vous connaissez Hans Vorarlberg? Je ne peux vous répondre. Madame m'a interdit de faire allusion à ce monsieur et même de citer son nom. Pourquoi? Ah mais même elle le connaît. La nostalgie, la tristesse, le temps qui passe... Toutes ces sortes de choses. Mais je ne vous ai rien dit, n'est-ce pas? Madame serait très fâchée de savoir que je sais et que maintenant vous aussi, vous savez. Ne vous inquiétez pas. Vous connaissez Tom Kolsgrad? J'y ai laissé mon train avec son pilote. Figurez-vous que c'est un automate comme vous. Je vous trouve même un petit air de famille. Un, je ne connais pas Tom Kolsgrad. Deux, je n'ai jamais pris le train. Trois, l'existence d'un autre automate, aussi perfectionné que moi, me paraît hautement improbable. Madame m'a toujours assuré que j'étais en quelque sorte un modèle unique, le cadeau d'un ancien admirateur. Je vous assure pourtant qu'il vous ressemble beaucoup. Il me manque un peu, vous savez. Pourquoi n'est-il pas ici avec votre train? Moi, jamais je ne laisserai madame Romanski partir seule. Oh, c'est une longue histoire. Mais j'espère le retrouver très vite. Cet attachement vous honore, mademoiselle. Ok. Je recherche ma... 15h30. C'est possible. À votre... Ok, donc il veut pas en dire plus. Pouvez-vous m'accompagner et aller... Non. Là, ça dit rien de plus. Je m'appelle... On peut se représenter. Je désire unique... Bien. Je serai... Je ne voudrais pas m'imposer sans l'accord de votre maîtresse. Madame ne proteste que pour la forme. Croyez-moi, elle adore les visites. Dans ce cas, merci de l'invitation.
J'y vais, James. Mm-hmm. À plus tard, peut-être. Je serai enchanté de vous revoir, mademoiselle. On a raté quelque chose, faut croire. Est-ce que si on lui amène peut-être de l'eau chaude... Bah non, on a essayé de remplir la coupe avec de l'eau chaude et ça a rien fait. Et nous voilà Fort Marie. Vérifier s'il n'y a pas des portes de chambre dans lesquelles on peut rentrer. Nope. De l'autre côté, c'est des fenêtres. Là, on peut pas y aller non plus. Alors, le coup du truc qu'on peut faire chauffer là. Il y a certainement. Oh, c'est ouvert. Ça s'est ouvert ici. On a fait chauffer donc ça s'est ouvert. Oh bah regardez ce qui est là. Une petite carte. Jolie piscine, ouais ouais c'est sympa, ça fait des beaux termes. Hein. Code temporaire 0968. Et bah voilà. Alors je sais pas du tout ce qui a fait que ça s'est ouvert. Peut-être le fait d'avoir essayé le code de la dame et que ça marchait pas. Du coup c'est ouvert. Ou alors le fait que j'ai mis le truc à chauffer mais... Ah oui. C'est peut-être ça, le fait que j'ai mis le truc à chauffer. Ça c'est les deux autres clients qu'on a vus sur le registre. Excusez-moi de vous déranger. Je crois que je devrais y aller avec ma reine. À moins que... Je vois que je vous dérange un peu. Non, non, je suis matant de coups. Peut-être que le fou conviendrait mieux. Il faut toujours faire confiance au fou. Bon, je m'en voudrais de vous déranger plus longtemps. Si on leur met de l'eau froide, ils font toujours les malins ou pas? Monsieur... Est-ce que vous pourriez... Ah, je suis perplexe. Cette défense me laisse perplexe. J'aurais vraiment besoin... Le cavalier, mais alors... Ah, il me prend avec sa tour. D'accord, j'ai compris. Ils sont bien concentrés. Hein. Il n'y a pas besoin de serrure pour que personne vienne embêter les clients. Les clients sont juste inembêtables. Alors, reprenons. On a dit... Tac, tac, 0968, voyons voir, 0968, 0968, ha ha, c'est ouvert, et bah du coup, on va s'arrêter là pour ce premier épisode de VOD, il est suffisamment long, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit... commentaire, un petit au revoir dans le chat le temps que je récupère ma fenêtre pour mettre fin au record. Hop là. J'espère que ça vous a plu et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde.